Bonjour les enfants, bonjour mes chers élèves, bienvenue à la partie de lecture. Je choisis pour vous ce texte, La visite du médecin. Voici médecin et Karine, une fille a seulement 3 mois. Karine est une petite fille de 3 mois. Depuis quelques jours, elle ne grossit plus. Inquiet, son papa et sa maman font venir le docteur. Le docteur a la barbe grisonnante, il ne parle pas bien haut. Il n'a pas l'air bien tiré. Maman est allée chercher Karine. Le docteur essaie de la faire rire en lui chatouillant le menton. Et comme Karine est de belle humeur, il y réussit. Il demande à maman de la déshabiller. Maman le fait prestement. Pose sur la table une grosse couverture de laine plusieurs fois repliée. Et voici Karine sur le dos. Le médecin tapote légèrement sa poitrine. Il pose une serviette sur celle-ci et sa grosse tête sur le corps. C'est menu de Karine. Sa tête est aussi large que la poitrine de Karine. Il ne doit pas appuyer bien fort, car la petite gaillarde, amusée, promène ses doigts sur la tête chauve du docteur et sourit. Le docteur sourit à son tour. Maintenant, il applique le dos de Karine contre son oreille. Puis le voici qui palpe le petit ventre. Karine se laisse toujours faire. Il ne crie pas. Elle agite ses mains et ses pieds comme un beau petit diable qu'elle est. Le docteur termine par l'examen de la gorge. Toujours aimable, Karine s'est prête quasi sans difficulté. Tout de plus, fait-elle un peu la grimace. En récompense, le docteur lui pince une fois de plus le menton, ce qui ramène encore un sourire. Maman, elle, interroge du regard. Alors, rien d'inquiétant, seulement c'est une enfant qui ne boit plus assez. Il faudra ajouter des biberons à l'alimentation de Karine. Alors, il faut chercher les mots difficiles. Comme exemple, la barbe grisonnante. En chatouillant, elle réussit. Déshabillé, prestement, appuyé, gaillard, l'examen, inquiétant, l'alimentation. Il faut chercher les mots difficiles, le sens des mots difficiles. La barbe grisonnante, en chatouillant, elle réussit, déshabillée, prestement, appuyée, gaillarde, l'examen, inquiétant. L'alimentation. Les mots expliqués. Alors, grisonnante, qui commence à blanchir. La barbe grisonnante, ça veut dire qui commence à blanchir. Prestement, un exemple, prestement, ça veut dire rapidement. Tapote ou tapoter, c'est-à-dire donne plusieurs petites tapes. Chauve, le bébé est chauve, qui n'a plus de cheveux. Palpe, examine en touchant avec la main. Palpe. Quasi, presque. Bon, exercice. Phrase à reproduire de mémoire. Karine promène ses doigts sur la tête chauve du docteur. Karine promène ses doigts sur la tête chauve du docteur. Phrase à reproduire de mémoire. Karine promène ses doigts sur la tête chauve du docteur. Il faut essayer de mémoriser cette phrase. Copier et compléter. Le médecin légèrement la poitrine de Karine. Il manque bien sûr un mot. Il, le petit ventre. Il termine par de la gorge. Le docteur dit, il faudra ajouter des alimentations de Karine. Bien sûr, les mots, où sont-ils? Bien sûr, ils sont dans le texte. Répondez aux questions. Numéro 1. Le docteur a-t-il l'air terrible? Comment fait-il rire Karine? Que fait Karine quand le docteur examine sa gorge? Karine est-elle malade? Pourquoi ne grossit-elle plus? Regardez l'image. Qu'est-ce que le docteur tient dans la main gauche? À quoi il sert cette cuillère? Voilà. À quoi sert cette cuillère? Je vous laisse bien sûr réfléchir à ces questions. Je répète encore une fois. Répondre aux questions. Le docteur a-t-il l'air terrible? Comment fait-il rire Karine?
Que fait Karine quand le docteur examine sa gorge? Karine est-elle malade? Pourquoi ne grossit-elle plus? Regardez l'image, puisque le docteur tient dans la main gauche. À quoi lui sert cette couille?